Yo tout le monde, c'est Jack Booby, et entre tous du Pokémon version or, Argold, qu'on va continuer la suite de nos aventures et que je suis obligé de dire le nom parce que j'ai pas tellement l'habitude, Orgold. Donc on va continuer la suite de nos aventures et que nous allons aller. Alors j'ai complètement oublié d'enregistrer, j'ai dû refaire où on s'est sauvegardé devant le combat de Jack, notre ennemi. Donc on va save. S'il te plaît, oui. On va save. Tu as oublié me save, alors. Moi qui veux pas. Bon, c'est vachement long, hein. Je préfère sauvegarder une deuxième fois. C'était autant long que ça à l'époque. Ok donc. On va pas être pressé, hein. Bon, on va aller faire la tour. La tour des Chotiflores là. On a bien le bon Pokémon. Non, merde. Bon, Kaiminus il est niveau 10, hein, il était niveau 9 dans l'épisode précédent. Mais on va monter out là pour. Comme c'est que des Pokémon. Il n'y avait pas tout là. Il semblait qu'à l'époque il n'y en avait pas. J'ai pas souvenir. À vrai dire, c'est la première fois que je fais celui-là. Donc. Tour Chotiflore. De cette version, hein, bien évidemment. La version de base, je la connais. Donc, on va monter. Hop. Je crois que là, il n'y a pas des Fantominus en plus. Je vais quand même changer. Il me semble qu'il y a des Fantominus. Quitte à en apprendre un. Bon, on ne pourra pas échanger, on n'aura qu'un Spectrum. Ça, c'est juste dommage. Ou alors, il n'y a plus de Pokémon ici. Ah si, il y en a. Ok, un Fantominus. Alors, essayons de l'éviter de faire mourir, hein. Ah, c'est bon. Échouille. Paralysie, d'accord. Allez, une Pokéball. Bon, c'est temporaire le Fantominus, hein. Ça m'étonnerait que j'arriverais à avoir un ectoplasma. Alors, qu'est-ce qu'il est bon, ce Fantominus? Immunise contre tous les capacités de type sol. Ok. Ah, horreur de perdre. Ah. Attaque spéciale, attaque. Donc. Il perd de la vitesse, mais il augmente l'attaque. Ah, ça me dérange un peu. Ou il augmente l'attaque et il perd. Attends. J'ai jamais. Par exemple, out. Ouais, out, il perd de la vitesse, mais il gagne de l'attaque. Ok. Donc. Spectrum, il gagne de l'attaque et il gagne de la vitesse, mais il perd de l'attaque. Oh, bah c'est bon, il n'a pas besoin d'attaque, vu ses attaques spéciales. Ok, bon, bah on va le garder. On va soigner Kaiminus par contre, avec un antipara. Hop. Et on va le mettre. Notre très cher out. Même si on entend toutes nos forces, on ne pourra même pas ébranler la tour. D'accord. Bon, lui, ils ont que des Chotiflores, eux. Chotiflores.
C'est pas très efficace. Je pense qu'il montera jusqu'au niveau 10. Le Hoot-Hoot. Si on a deux Pokémon niveau 10, ce sera parfait. En train d'un peu réfléchir quelle équipe faudra avoir. Bon, Léviator il sera de toute façon avec nous, ça c'est sûr. Mais ça veut dire que j'ai quand même que deux, j'aurai quand même que deux Pokémon avec moi quoi. Ah, bonjour. Niveau 4. Alors, s'il est meilleur, lui. En plus, il est niveau 4. Et il dort. On va voir si on arrive. Sûr que non. Ok. On va juste voir. Non, pas de surnom. On va voir la nature. Il est bon en attaque spéciale, mais il est mauvais en défense spéciale. Par contre, il a une bonne vitesse. Il est plus rapide. Je me trompe pas, hein, c'est bien. Par exemple là, Kaiminus il est pas bon en, en vitesse mais il est bon en attaque. Bon là il est plus rapide et plus puissant d'attaque spéciale. Peut-être on prendra lui. Alors hop. J'ai oublié de trouver un antipar. Je crois qu'il n'y a que cette partie-là où tu peux attaquer des, tu peux attraper des fantôminus, il me semble. Après les autres places, tu peux pas en avoir. Foilienne. Niveau 8. Mmh.
Bon, de toute façon, il y aura bien Dracolosse avec nous, ça c'est sûr. Il y aura en tout cas Dracolosse avec nous. Après les autres, j'aimerais bien avoir peut-être un Voltalier. Un Canino, ça oui. Comme ça, je peux avoir un Arcana une fois. Un type feu avec nous. Ah. Précision plus. Ah, Fantominus. Le problème, c'est que Oud-Oud, tu peux pas l'attaquer. Chutifleur. Pas quand il va apprendre pic-pic ou comme ça. Tac vol. Oh, pic-pic. Ah, parfait. On va oublier rugissement. Ça ira plus vite. Type vol en plus. Il va bien être utile pour le deuxième badge. Oh, super efficace. Ça va un peu plus vite, effectivement. Ah. Bon, je sais que de toute façon mon... Ah, impossible. D'accord. Ah, il me fait endormir. Ah, ça c'est un peu plus chiant par contre. Ça c'est un petit peu plus chiant. Parce que ça veut dire qu'il pourra pas attaquer maintenant. Une potion, la potion Vigadveld. Bah oui, il dort profondément, ça c'était sûr. Se réveille. C'est super efficace. Je vais juste le soigner un coup. Je t'ai vu au niveau 6. Salut John, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Comment vas-tu?
Comment vas-tu, John? Ça va, tranquille un peu, honnêtement. Truck, ça va, truck, un peu honnêtement. Et toi, truck, ça veut dire quoi, truck? Un peu fatigué? Oula. Ok. John Morrison, John Cena, John Moxley, John Shottyfloor. Ah, t'as bu, ok, d'accord. D'accord. T'as bu quoi, de l'eau? Non, je rigole. Donc, tu as un petit peu bu, d'accord. D'accord. Ben, repose-toi bien. Ah, Outout, ok. Ah, drink. Ah, bu. Ouais, d'accord, j'ai mal lu. Moi et ma lecture, incroyable. Why do we speak English? Holy shit. Ok. Dire que je suis pas stressé, je suis pas pressé. Mieux vaut boire. Oui, je me fais des bouffes bêtes. Oui, je me fais des bouffes. Béton et je sieste. Ah, la sieste après, ok. Ah bah oui, bien évidemment. Mais toi, t'es pas le Canadien, en plus. T'es pas le Canadien. T'es pas du Canada, toi, en plus. Si je m'abuse, ou je me trompe. Je trompe peut-être pour un autre YouTuber. Nous, c'est le soir, là, alors. Si c'est le cas, ça doit être la journée chez vous. Les Canadiens. Canada de Montréal. Aussi une calice de tabernacle. Ah ouais, t'es un Québécois. Ouais, pardon. T'es un Québécois, pardon. Ouais, mais bon, le Québec, c'est au Canada, donc oui. Ah là 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 là. Ta puissance est révélée. Comme promis, voici ta CT. Toutefois, tu devrais traiter tes Pokémon avec davantage d'égards. Tu es bien trop après au combat. Les Pokémon ne sont pas des armes. Pour quelqu'un qui est décédé d'après prétentieux pour se faire appeler ancien, sinon... N'a pas beaucoup dans le ventre. Bah, ça ne me surprend pas. Je n'allais quand même pas me faire battre par quelqu'un qui raconte qu'il faut être gentil avec ses Pokémon et de ses quelle anérie. Je ne m'intéresse qu'aux Pokémon capables de gagner. Je m'en fiche des autres. Jack utilise le code sortie. Je préfère Québécois tabarniak. Mais oui, c'est le jour Yaptoche. 15h ici. Ah, c'est 15h chez toi, ok, d'accord. Oh, bah, c'est 20h, quoi. J'aimerais bien aller visiter une fois le Québec. J'ai des copains qui sont allés là-bas en plus. L'année passée. Bienvenue à toi, mon enfant. La tour Shottyfloor est un lieu où humains et Pokémon s'entraînent pour un avenir radieux. Voici venu le dernier épreuve. Il te faudra me battre. À moi de tester les liens que tu entretiens avec ton équipe et tes Pokémon. Intéressant. Oh, le vieux papy. Wow. J'aime les paires de meules, moi. Allez. Croissance. J'adore ces termes canadiens, des fois. Québécois, pardon. Yaptoche, j'espère que je le dis bien.
Out. Oh, il me fait hypnose, ok. Non, je vais te faire aussi hypnose. Ah, toi, t'es immunisé par hypnose, ok. Ok, ok. Alors, pistolet haut. Ah, super. Super. Génial. Génial. Bon, ouais, génial. Laisse-moi caca. Il est endormi. Il approche. Il approche. Ok. Oh, toi, tu dois être très bien en regardant le stream. Hein. Ah, super. Je... Hein, il peut changer. Oh, tu fais chleu, toi. Hein. Il me fait chleu. Chleu, ça veut dire qu'il me fait chier. C'est le terme chez nous. Aïe. Pas très efficace. Allez, griffe. Ah non, il voulait faire encore une chose, hein, cet enfoiré. Pistolet haut. Bah, fais-moi pic-pic, je préfère. Comme ça, tu me piques. Il fait exprès. Aïe, à se réveiller. Je tasse bien, oui, chaleur et alcool. Ah bah oui, il fait chaud chez vous hein, en ce moment. Je t'avoue, chez nous, il fait assez doux. Il fait entre 15 à 20 degrés, là. On a eu beaucoup de pluie chez nous. Bon, je préfère avoir ce temps-là, parce que je déteste quand il fait trop chaud, quoi. Ta façon de te battre, on est extrêmement efficace. Avec les telles potions potentielles, tu parais capable de mesurer les halberds. T'aurais pas... D'autre part, tu mérites cette CT Flash. Je suis sûr que tu sauras l'utiliser comme le convient. Tenu, c'était 70, 70. Si un Pokémon apprend Flash, il pourra éclairer n'importe quel lieu obscur. Tu peux choisir l'en prendre un Chetiflore, par exemple. Y a pas normalement Outwood qui pourrait accepter. À l'ombre, c'est ok. Au soleil, c'est lourd. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Qui je peux l'apprendre le Flash? Pas apte. Et personne qui est apte. Ok, d'accord. Personne n'est apte. Personne n'est apte. Et bienvenue les gens qui viennent sur YouTube. On va y aller par là. Ah non, merde. Il n'y avait pas un... Il y avait une... J'avais pas une code sortie par hasard. Ah oui, j'ai une code sortie là. On va l'utiliser. Faut que j'aille nourrir le chat et ma soeur. Elle est en voyage. Je veux juste attendre que le soleil se couche. Ah! Eh ben, fallait nourrir le chat. Le petit ça. Le ça. Le ça. Le petit ça. Le petit ça. Le petit ça ça. Allez. Allez vous faire soigner. Comme ça, je peux trier.
Je peux dégager... C'est juste 20 minutes de marche, mais gros, côté, je veux pas faire ça en soleil. Ah, la flemme. Tiens, comme par hasard. J'ai dit que je gardais qui, lui ? Résumé, ouais. C'est lui que je gardais. Et lui, je le rangeais. Ouais, on va faire ça. Lui, je le garde, lui, je le dégage. Lui aussi. Voilà, pour l'instant. Et je pense aussi le chenipan. Le chenipan, il me sert à rien. Hop. Nya, 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 nya. Ça doit remonter à 3 ans maintenant. Le groupe appelé à Team Rocket utilise des Pokémon de fin criminelle. Mais le mal est toujours puni. Un enfant les a anéantis. Ah ben, je me demande qui les a arrêtés. Très intéressant. J'adore l'enfant. Donc Red, il aurait 13 ans aujourd'hui. S'il avait 10 ans, donc il a 13 ans. Bon. Hop. Ouais, on va mettre Caïbinus. Bon, on a 2 Pokémon niveau 11, ça va. Mais non, C'est deux sauvegardés. Oui, sauvegardés, merci. Sauvegarde pour ne pas éteindre. J'attends. Nya, 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 nya. Ah. Oh, d'accord. Ok. C'est différent. Surprenant les hauteurs, hein. Mais il n'y a pas comme ça qu'on peut comprendre les Pokémon d'oiseaux. Et moi de voir si tu es digne d'affronter Albert. 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 Albert le vert. Oh, c'est nul. Peut-être qu'il y a un pied avec. Niveau 9. Pic-pic. Ou le fait furier. Attaque normale est beaucoup plus fort que les... Ah, gros yeux. Ta-ta-ta-ta. Je veux juste savoir combien j'ai de sous-sous. Comment on sait, Booby, voilà. Oh, ça va. Score 60. Ok. Début de l'aventure le 11 juin 2024. Ça me fait bizarre de voir 2024. Ah, tu peux aller par là aussi, ok. On va tous les battre. Ah, bah oui. On va tous les battre. Boum. Oh, voilà un adversaire de valeur. Il ne trébuche même pas quand même. Là, au bouscule, il nous voit une profession de Pokémon d'oiseau en suivant un entraînement spécial un matin ou soir. Viens te battre. D'accord. Ok. Kéminus, à toi de jouer. Ah, jet de sable. Ça perd la précision, ça. Ouais, c'était sûr, ça. Mmh.
super, encore de la précision. Bah oui, il rate, il rate. Hein. Ta 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 ta. What? Fou lui. Oh, précision, précision. Oh mais il va me faire chaque fois jet de sable. Hein. C'est chiant ça. Tellement de la bonne musique ce jeu. Ah oui, mais... alors clairement que oui. Je te dis clairement que oui, mais je préfère la version de base quand même. Il est bien, hein, ça reprend bien tous les musiques, tout, mais la version de base quand même. Ah, je me lasserai jamais de rejouer aux anciens jeux, même si graphiquement, voilà, c'est de l'époque. Mais voilà. Albert. Je suis Albert, le champion de l'arène de Mauville. La plupart des gens disent qu'il suffit d'une étincelle pour griller un Pokémon de type voile et ils se moquent. Mais je leur ferai ravaler la parole. Tu vas bientôt voir les véritables forces de la du vol élégant des Pokémon d'oiseaux. Salut. Recool. Recoule, tu recules. Tu vas recourir. Faudus. Ah. Plus rapide que moi. Ah bah oui. Il a vraiment une perte de vitesse. Hein. Ça, c'est un peu dérangeant par contre. Oh non. Ah, le jet de sable de merde. Oups. Niveau 13. Ah, le level a augmenté, hein. Effectivement, d'accord. Ou tornade. Ok. Ça a quand même augmenté, hein. Oula. Une bonne défense, lui. Atterrissage. Ah, d'accord. Atterrissage. Donc il y a d'autres attaques, ok. Oh putain. Allez, on le soigne. Wouah! Bon, je peux me soigner! Les griffes! Mais bien sûr, il est de toute façon plus rapide que moi! Oh, mais c'est quoi sa défense à lui? Ouais, on perd Kaiminus. Allez. Je pensais pas qu'il était autant fort que ça. Tout. Hypnose. Atterrissage. Allez, endors-toi. Ouais, alors par contre, atterrissage, c'est chiant, hein. Ok, ils ont vraiment changé la stratégie du jeu, ok. Ah bah tant mieux. Il est plus rapide que moi, ok. Normal, il est niveau 13. Se réveille. Oh non, mais tu vas pas faire à chaque fois ça, sérieux. Il va me saouler, hein. Surtout que j'ai pas de Pokémon électrique. Ah mais il va pas faire éternellement.
Ah, bien sûr, l'hypnose, il rate. Il fait charge, ok. Ok. Wow, aïe. Ok, d'accord. Ah bah oui, ok. D'accord. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Booby est hors jeu. C'est bon à savoir que les levels augmentent, ok. Je ne le savais pas, d'accord. Tu devrais acheter des potions dans la boutique Pokémon ou... Oui, on peut aller, il n'y a pas de problème, mais... C'est pas ça le problème. C'est pas lui qui te veut échanger. T'as un Pokémon adapté, Chatiflore. Je te l'échange contre un Onix. Je n'ai pas de Chatiflore, mais... Non, le Onix me m'intéresse. Ah, quoique. Il fait... Le problème, c'est qu'il me fait chier avec son attaque. Et qui là? Et qui comme Pokémon là? 900 un petit. Pas de soucis, pas de problème. Va nourrir ton chat. Va nourrir ton chat, mon chat. On lurk. On va essayer de monter niveau 13 avec Kane Minus. Sachez qu'on est au moins un niveau 13. Ah, un Chatiflore. Ah bah. On va essayer de le capturer. Si on peut avoir le Onix. J'ai assez de Pokéball, j'en ai que deux, hein. Là, faudrait pas le louper. Fuck. La dernière Pokéball. Eh ben, ça passe pas comme tout ce qui est prévu, hein. Merci. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Chatiflore est à nous. Donne-moi ton Onix, toi. Non, pas Photominus. Oui, j'en ai un. J'ai un... Voilà. Hmm.
Aura, j'ai un chutifleur, merci. Oh, par contre, il fait pas tellement mal, hein. Écoute, on va essayer avec cette équipe, on verra bien. Je sais pas, Onyx, il a pris au niveau combien le... Jet de pierre, là. On a niveau 10. Jet de pierre, ouais, j'aimerais bien qu'il apprend jet de pierre. Au départ, en plus. T'es sûr, en deuxième génération? Parce que là, j'ai que la première. Ouais, alors par contre, il est vraiment pourri en attaque, hein, d'accord. C'est vraiment pas le meilleur Pokémon, hein. Oui, oui, j'accepte tout. Ok. Et comment ça se fait qu'il n'a pas... Il n'a pas le jet de pierre alors? Train, grincement et charge, ok. D'accord. Bah, écoute, on va faire avec ça. On va save et puis si ça va pas. Il est plus fort en physique, hein. On est bien d'accord, hein. Mettre out d'abord. Chalbert, le champion de la reine, blabla, 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 blabla. Oui, on vient t'affronter avant, on a perdu, donc... mauvais tactique. Ouais, c'est vrai, Iconix. Ah,
Ah, il a quand même une bonne défense, hein. Ouais, il va faire à chaque fois ça maintenant. Il va me saouler avec son attaque là. Son attaque de soin là. C'était sûr. Il peut le faire combien de fois? Parce que j'ai tout le griffe qu'il faut. Hein. Tornade. Il va le faire combien de fois? Il abuse là. Ouais, ils ont vraiment augmenté le niveau, hein. On peut faire un coup critique une fois. Sacrifier Fantominus. Ah ouais, c'est bien ça. Allez, Outout, vas-y. Fais-lui mal. C'est encore Vigous. Fais-moi 5 tours en tout cas. Allez. Fais-moi pas un soin là. Meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas. Nice, c'est bon. Ouh, c'est bon, j'ai eu chaud. Puis Caminus aussi. Il monte niveau 13, parfait. Caminus apprend morsure. Ah, morsure, ça aurait été bénéfique, là. On va enlever gros yeux, qui ne sert à rien. On a battu le champion Albert. Très bien, c'est moi de me... Bon, j'ai perdu 90, mais c'est pas trop grave. Comment c'est possible? Mon père avait pourtant tant pris soin de ce Pokémon et ils le sont. Mais reconnaît ma défaite en tant que champion vaincu. Cette arène, c'est mon rôle devant la Ligue Pokémon te donne le badge Zephyr. Pour célébrer la victoire, Bobby reçoit le badge Zephyr d'Albert. Merci.
Jusqu'au niveau 1. D'autre part, tu pourras utiliser la capacité Éclatroc hors d'un combat. Enfin, laisse-moi t'offrir cette CT. Tenez, CT51, qui est... Une capacité technique permet d'apprendre l'instant une capacité d'un Pokémon, mais elles sont usage unique, alors réfléchis bien avant de le utiliser. La CT51 est atterrissage, cela permet de regagner moitié des PV maximum. Il te reste encore beaucoup d'arènes à visiter, je suis sûr que tu seras très utile. La prochaine devrait être... Ah, ça devrait être à Ecorcia, j'imagine. Oui, c'est bien Ecorcia. Ah, ben, ça usage unique en plus. Ok. Bon, ben, écoute, on va lui donner. On va lui donner atterrissage à Outout. Ça peut être utile. Et on va enlever clairvoyance. Je sais plus, je crois que c'était tiers debout à l'époque, il me semble. Dans la première fois qu'ils ont fait or et argent. Allez. Orm. Hello Bobby, on a découvert quelque chose. Je ne peux pas te dire le plus, mais je voudrais te confier l'œuf. Va voir mon assistant à la boutique Pokémon à Mauville, il te remettra tout. Ok. Bon bah. Prenons l'œuf. On a assez de place en moins. Ouais, c'est bon. On a assez de place. Faudra qu'on monte ce cher Fantominus. Juste soigner nos Pokémon. Voilà. Je pense le Onix, on va le dégager. Il nous sert à rien. Il nous sert à rien. J'ai pas envie d'avoir un Stelix, donc ça m'intéresse pas. Là, avec les autres, merci. Il est où cet assistant? Blabla, blabla, ok. Il est où cet assistant? Quoi ça? Il est où l'assistant? Ah, bonjour, blabla, il va me faire des blabla. Je n'ai pas besoin de parler, merci, au revoir. Registre, ami. Ouais, bah, je m'en fous, de toute façon. Non, merci, au revoir. Il est où cet assistant? Il est pas dehors? Je vais rappeler Orm. Hello Bobby, as-tu rencontré mon assistant? Il est à la boutique Pokémon. Ah, il est à la boutique Pokémon, ok. Putain, normalement, de base, il est... Qu'est-ce qu'il y a à la boutique Pokémon? La boutique Pokémon, il est où? Il est là. Bobby, enfin, le professeur Homme m'a demandé de venir te raconter, en fait. On aimerait que tu t'occupes de cet œuf. Oui. Merci pour l'œuf. On va s'en occuper. Discussion a duré un certain temps. Puis c'est écrit dans ce cas. Dans ce cas, seul Booby peut nous aider. D'accord. L'œuf, absolument. Un certain temps près de Pokémon, bonne santé. Voilà pourquoi je pense que tu étais la personne idéale pour cette tâche. Je te le confie, merci. Bah, comme ça, je peux prendre quelques potions. Pas intéressé.
prendre les trucs de base. Oui, j'aimerais acheter déjà une super potion, quelques Pokéballs. Une dizaine, s'il vous plaît, merci. Prends quelques potions. Ça m'en fait 5, ok. Ah! Ouais, alors on va pas prendre. Hein. Prendre 2 de plus. Voilà. Réveil, ouais, pourquoi pas. Je vais en prendre 2. Toujours en avoir. Ok. On est tout bon. On est tout bon, on est paré. Donc, Fantôme Minus, on va le mettre devant. Ah, bonjour. Oh, mais c'est un œuf. Oh, je comprends. Monsieur Pokémon au professeur Orm. Puis du professeur Orm et toi, je comprends. C'est un œuf d'une importance rare. Prends le soin infini. Puis je te faire confiance pour cela. Parfait. Alors. D'accord. Il y a des nouveaux trucs, ok, d'accord. Toi, t'es qui, toi? Tu m'intrigues, toi. Ah, Tarson contre un baie. Tesson contre une baie. Salut, salut. Je change des Tessons contre des baies. Si tu demandes des Tessons, je te donne 3 baies. L'échange. Ok. D'accord. Alors, let's go. Il fait jour. Non, il fait nuit, pardon. Putain, pourquoi je dis il fait jour? Hop. Alors, je crois, si je me dis pas de conneries, ici, on peut pas passer parce qu'on a... On a l'arbre. On a simulé l'arbre, là. Spoiler alerte, hein. Ah oui, il y a aussi les énigmes des Arbis. Que j'irai voir un tutoriel, je vais pas me gêner, hein. J'ai la flemme de le faire. Alors, Fantôme Minus. On va le mettre de level quand même. Hé hey, on se calme, jeunesse. Bien, tu as un bon Pokémon, tu as dû pas mal les entraîner en mobile, non? Les combats de l'arène particulièrement ont dû être très chiants. Tiens, et souvenir de ta visite ici, accepte ceci. Cela améliore les capacités de type plante. Ah, graine miracle. Ok. Graine miracle. Ok. Bon. Eh ben, on va sauvegarder là. Comme ça, au moins, je suis sûr que c'est sauvegardé cette fois. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine, la suite, au prochain numéro.